compliments from Airbus. And des tas de choses qui concernent le commerce, qui concernent le business concernant cet avion. Je pourrais vous dire que plus de 100 exemplaires sont déjà en service, que 262 ont été commandés à travers le monde entier par plus de 20 compagnies aériennes, que cet avion peut transporter jusqu'à 870 passagers, que c'est un véritable paquebot du ciel avec deux ponts. Mais je préfère vous dire une chose, ça vole bien et c'est beau. Of economics. I can tell you that it's been certified to carry over 800 passengers, that it's been ordered. The orders total now 262 machines for 20 airlines across the world, and more than 100 are already in service. Can tell you many things about its weight, dimensions. Well, it is a real flagship of the skies, a two-deck machine, but what's more, it's just beautiful and it flies like a dream. Cet avion n'est pas un avion qu'on pilote à la limite, c'est un avion qu'on se borne à guider, tellement il est obéissant, tellement il est docile, malgré ses dimensions gigantesques. Et ceux qui ont eu la chance de le piloter, quand ils descendent l'escabeau, qu'ils arrivent au pied de l'avion, ils se retournent, ils regardent ce paquebot, ils disent « c'est pas possible, j'ai fait voler ça de cette manière-là ». People who have flown the A380 all step down from the aircraft at the end of their first flight. They just turn and look at it and say, wow, I flew that. Et il est si gentil, il n'y a pas d'autre mot, si gentil à faire voler. Il est d'un confort extraordinaire pour l'équipage, mais encore plus pour les passagers. De très loin, c'est l'avion le plus confortable du monde. Probablement à cause de son aile extraordinaire et de la souplesse de cette aile, mais aussi de ses commandes de vol électriques et aussi de son architecture générale. This is the most comfortable aircraft in the sky due to its size, of course, but also due to the qualities of its extraordinary wing, which is so flexible, which is very, very smooth wing, which erases the bumps in turbulent air. L'équipage aujourd'hui est donc composé de deux marins, ex-marins, pardon, Christophe Caille et Thierry Bourge. Tous deux étaient pilotes d'avions embarqués sur porte-avions, entre autres Crusader, excusez du peu, il y a quelque temps. Quant à l'officier mécanicien navigant, Gérard Desbois, GG, il est l'un des plus grands connaisseurs au monde en matière de Piper Cup, ce qui fait de lui l'homme des extrêmes. Voici donc la manœuvre signature de la fin de la présentation d'un A380. On pousse à 05, 08G, on commande le train sur BC, on affiche les volets, premier cran, deuxième cran, et puis on laisse l'avion couler de lui-même délicatement sur une spirale à gauche au bout de laquelle il y aura la piste. The ending of this magnificent display is always the same. It's a signature for the A380 displays. It has been invented, if my memory is good, by the great Claude Lelay. And this maneuver is just the top of the hill thing. You just push the aircraft into a 0.5, 0.8 G, nose down, during which you just select the gear down, and in cascade you just select flaps 1, flaps 2, and then you enter a very gentle left descending spiral.
at the end of which there's a runway. And now between us pilots here, the BPV, the question is, are these ex-sailors, because the two pilots flying the aircraft were former Crusader pilots flying from aircraft carrier, are they still able to land an aircraft or just slam an aircraft on the deck like they would do when they were, like they were doing when they were sailors? Le train est sorti, les volets sont baissés, le seuil de piste arrive et on va voir si nos deux marins ont gardé le style marin, c'est-à-dire slam sur la piste, ou bien s'ils vont être capables d'embrasser le goudron de la 03. Allez, arrondi, tiens-le. En anglais, in English, this is a kiss landing, and the French, this is a baiser à la planète. In the aircraft, you would be still thinking you're flying. So soft was it. It only disturbed a few rabbits.